1 Samuel chapitre 10, le verset 1. J'attends que celui qui est assis se mette debout. Samuel chapitre 10, le verset 1, il est écrit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef, le chef de son héritage? On descend. Verset 26. Il est écrit, je préfère commencer carrément au verset 24. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi, vive le roi. Ici, après que l'on ait présenté Samuel, verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné des honnêtes, par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient: quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils les méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Chapitre 11. Il va y avoir une guerre qui était à l'approche. Et je vais lire à partir du verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles de tout du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit: qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et le coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant: quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'onction qui active la destinée. Et le jeudi passé, nous avions commencé à dire que l'onction était une habileté ou une capacité surnaturelle que Dieu donne à un croyant afin qu'il accomplisse une mission. C'est la définition que nous avions donnée le jeudi passé. Et nous avions dit que lorsque tu veux t'approcher sur le domaine de l'onction, il va falloir que tu aies la révélation que Dieu est le Tout-Puissant, le Dieu de toutes les capacités. Et je me suis attelé à enseigner sur cela en te disant qu'il fallait croire au Dieu de toutes les capacités. Beaucoup de personnes ratent l'activation de l'onction même après un service puissant qui se fait sur eux, parce que simplement il manque la foi. Ou que dire?
Il manque de poser des actions qui correspondent à l'onction reçue. Ici, nous voyons Saul qui a rencontré le prophète Samuel. Et ils ont passé la nuit. Et dans la matinée, Samuel va le prendre. Et il va verser de l'huile sur sa tête. Et lorsqu'il verse l'huile sur sa tête, il déclare ses paroles. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Regardez bien ce texte. Vous allez vous rendre compte que Saoul est un éleveur de bœufs. Il élève les bœufs. Il fait l'élevage. Alléluia. Mais le prophète Samuel va le prendre. Il met l'huile sur sa tête. Et quand il met l'huile sur sa tête, il lui dit que l'Éternel t'a oint pour être chef de son héritage. Et dès lors où l'huile a touché sa tête, une autre destinée a été ouvert dans sa vie. Un autre chemin a été ouvert pour lui. Le chemin de la royauté. Écoute-moi bien. Je ne sais pas d'où tu viens. Les épreuves que tu as rencontrées dans ta vie. Je ne sais pas les erreurs que tu as commises tout le long de ton chemin. Les erreurs de choix. Les erreurs à gauche et à droite. Je ne sais pas tout ce par quoi tu es passé. Mais une seule chose pour laquelle je suis conscient est que l'onction de Dieu est capable d'ouvrir une nouvelle voie pour quelqu'un ici. Dis-moi un amen bien. L'onction de Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi. Et je suis en train de prier que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Samuel a versé l'huile sur Saoul. Mais Dieu a libéré l'onction sur Saoul. L'huile dans la fiole de Samuel. Copo de Samuel est entré en contact avec la tête de Saoul. Mais l'onction de Dieu est entré en contact avec l'esprit de Saoul. On peut mettre l'huile sur toi et tu rates le contact avec l'onction. Mais lorsque Dieu t'approuve, lorsque Dieu t'agrée, l'huile sur ta tête, mais l'onction dans ton esprit. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que l'onction puisse couler sur ton esprit aujourd'hui. Que ton esprit entre en contact avec l'onction de Dieu. Je dis que ton esprit entre en contact avec l'onction de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il lui déclare que l'Éternel t'a oint pour établir chef de son peuple. C'est-à-dire le but de l'onction qui venait dans l'esprit de Saoul, c'était pour qu'il devienne roi, c'était pour qu'il devienne chef. Mais un homme qui n'a pas
grandi dans une famille royale. Un homme qui n'a fait que les affaires. Un homme qui même a eu à perdre les ânesses de son père. C'est-à-dire, il avait mal géré le business de son père. Oui, il a mal géré cela. Donc il a échoué dans le domaine des affaires. Mais un tel homme, lorsque Dieu le choisit, l'onction est venue dans son esprit afin de lui donner une capacité qu'il n'avait pas, afin de lui donner une habileté qu'il ne possédait pas. Je suis en train de prier. Peut-être que tu n'as pas eu une grande éducation, peut-être que tu n'es pas sorti d'une grande famille, mais que l'onction de Dieu te qualifie avec de capacités surnaturelles. C'est pourquoi je dis que l'onction est une capacité non pas naturelle, c'est une capacité surnaturelle. C'est Dieu qui te donne une force, qui te donne une capacité, et il le met dans ton esprit. À partir de cet instant, tu seras en train de faire des choses inhabituelles. De faire des choses inhabituelles. Souvenez-vous de David, qui depuis toute sa vie, il faisait la bergerie et il était en paix et avec les brebis et avec les animaux sauvages. Mais dès l'instant où l'huile est venue sur sa tête, les lions est désormais intéressé par les brebis de David. je vais revenir là-dessus. Maintenant, regardez, continuons cette histoire. Lorsqu'on le voit, il a reçu les capacités. Il rentre dans son village. Son village, c'est Gibea. Son oncle même lui pose la question. Et puis, c'est que bizarre. C'est vraiment bizarre. Il faut lire la Bible, hein, c'est intéressant. On le moins d'une huile pour qu'il soit roi. Alléluia. Alléluia. Mais au chapitre 10, quand il quitte Samuel, il rencontre une troupe de prophètes et il commence à prophétiser. Mais on ne t'a pas oint pour être prophète. On t'a oint pour devenir roi. Mais qu'est-ce que tu fais en train de prophétiser là? Il arrive que quelquefois tu as reçu l'appel, tu as reçu l'onction, mais tu ne fonctionnes pas encore dans ton domaine. Que tu sois en train de fonctionner dans le domaine des prophètes alors que toi tu es dans le domaine des rois. J'ai parlé à une personne, mais j'ai fermé la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Alors, quand il rentre dans son village, au chapitre 11, il y a un problème qui arrive. Un roi des Ammonites. Il vient et il va assiéger une de ville en Galate qu'on appelle Jabès. Et il va leur dire, si vous voulez être en paix avec moi, venez traiter une alliance avec moi-même. Non, les gens de Jabès lui disent, bon, fais alliance avec nous. Et écoute ce que ce roi des Ammonites va leur dire. Voilà l'alliance que je fais avec vous. Je vais trouer vos yeux. Sur les deux yeux, je trouve un œil. Tous les habitants. Comme ça, vous tous, vous serez borgnes. Et je serai en paix avec vous. Quel canard. Alors, quand ça arrive, cette nouvelle arrive dans le village de Galade. Dans le village de Saoul. Tous les habitants commencent à pleurer. Tous les habitants se mettent. Les habitants sont en train de pleurer. Alors Saoul, il a
avait reçu l'onction, mais il est rentré en train de faire le travail d'Ebé. Il y a quelqu'un ici. Tu as beaucoup de prophéties sur ta vie. Tu as beaucoup d'affectations sur ta vie. Mais la destinée n'est pas encore activée. Et tu te retrouves en train de faire les mêmes choses. Tu peux même douter, hein, et te dire, ah, Samuel avait blagué. Ah, il avait juste fait, juste pour faire. Et puis que j'ai reçu l'onction là-même, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, j'avais même prophétisé, et puis quoi encore? Et puis il n'y a rien qui arrive. Il revient en train de faire son travail de bœuf. Et il entend tout le village en train de pleurer. Faites un peu semblant, soyez en train de pleurer. Alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on l'explique, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Écoute-moi, la destinée d'un homme ou un s'active devant des grands défis. Tu n'as pas encore vécu l'activation de ton onction parce que tu ne t'es pas encore retrouvé devant les défis correspondants à ton onction. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tous les combats qui arrivent dans ta vie ne viennent pas que du diable. Même si c'est le diable lui-même qui l'emmène, quelque part il y a Dieu qui est derrière, comme un divin coach qui a bien entraîné son poulain, et maintenant il laisse les ennemis venir l'affronter pour voir si l'onction, si l'activation a été faite. Dieu m'a dit, beaucoup d'entre vous ici, aussi longtemps que vous continuerez à fuir des combats, à fuir des défis, votre onction ne sera jamais activée. Il a fallu qu'un combat arrive. Il a fallu qu'un défi se tienne là devant Saoul. Dès que le défi était là, écoute-moi, la vraie onction de Dieu aime le défi. La vraie onction de Dieu aime les défis. À chaque fois que David a reçu une onction, il y a eu des combats qui correspondaient à cette onction. Lors de la première onction, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a été oint par Samuel. Et juste après ça, il a combattu contre le lion. Il a combattu contre l'ours. Il a combattu contre Goliath. Bien-aimé, l'onction aime les défis. Je suis venu ce soir te dire, arrête de fuir le défi. Arrête d'avoir peur de l'inconnu. Quelquefois, Dieu va te mettre dans l'inconfort. Dieu va te mettre dans une position inconfortable. Mais c'est dans les buts de secouer, de secouer ton onction. Tu vois, quand tu prends des médicaments en sirop, les médicaments en sirop, quand tu le vois, c'est resté pendant longtemps dans la pharmacie, peut-être pendant 3 mois, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 9 mois. Quand tu l'achètes, il se fait que le médicament baisse et descend vers le bas, et souvent l'eau reste vers le haut. Alors le pharmacien, il prend le soin d'écrire une note pour te dire, ne prends pas ce médicament dans cet état-là, sinon ça ne va pas agir. Si tu veux connaître la puissance de ce médicament, agitez avant l'usage. Navanda qui n'a kimia, na malili ya pa ya pharmacie, mais yo zinga, obandi koningisa, na jesu à l'esté, mais koningisa wana, eza pointe, qui si on va taki na kati, esangana, pe anda ko sala, l'onction que tu as reçue dans ta vie, et même celle que tu vas recevoir ce soir, pour être nourri, pour
Yetumba. Voilà la raison de tous les problèmes que tu as. Depuis qu'on a prié pour toi, le travail a fini. Depuis qu'on a prié pour toi, tu as des problèmes avec ton partenaire. Depuis qu'on a prié pour toi, l'argent a disparu. Qu'est-ce qui se passe? C'est des problèmes qui se présentent devant toi dans le but d'activer ta destinée, dans le but d'activer ton onction. Il a fallu que la guerre soit à la porte pour que l'esprit se saisisse de Saoul. Sinon, il serait resté lui dans la tête, mais continuant à faire le travail des meufs. Alors ce soir, je suis venu te dire, arrête de fuir ce combat. Tu vas sortir d'ici en disant, je vais affronter ça. Moi, l'euro. Je vais affronter ça. Dans la vie, quelquefois, quand tu sais déjà que Dieu est avec toi, tu sais que tu as reçu la chose et que la chose n'opère pas encore, c'est simplement que tu ne lui as pas donné le défi qui lui correspond. Comment tu sens que le soleil est sa terre capable de ressusciter un monstre? Comment tu sens? Tu vois? Et puis tu tombes. Et puis tu te réveilles. Et puis tu rentres à la maison. Quand les problèmes arrivent, tu fouilles. L'onction ne va jamais fonctionner. Il faut qu'elle fonctionne. Ton patron va te créer des problèmes. Il va commencer à te challenger. Je vais te faire chercher du travail. Tu verras. Soit c'est moi, soit c'est toi. D'ailleurs, toi, tu penses que tu pries. Ça, c'est quel Dieu? Et puis il insulte ton Dieu. Pendant que tu rencontres, si tu pleure comme tout le peuple, c'est que tu n'as pas reçu l'onction. Parce que tout le peuple pleure parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction. Mais quand Saoul voit le problème, Saoul n'interprète pas le problème de la même manière que le peuple. Parce que Saoul a l'onction sur sa tête. Alors que le peuple pleure, Saoul reçoit la colère sainte. Chapitre 10. Deux derniers versets. Une chose que j'ai aimée. Lorsqu'il a été loin, il sort. La Bible dit, une partie des gens, des gens bien, les bonnes personnes, les suivirent. Ils les suivirent. Parce que peu importe ton onction, si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, tu n'iras pas loin. Mais deuxième chose, c'est l'onction sur sa tête qui a activé les bonnes personnes pour qu'il commence à les soutenir. Tu vois, pour ce projet politique que tu as, l'onction sur sa tête va activer des bonnes personnes qui vont croire en toi, qui vont se dire, tu seras notre leader, tu vas porter la cause de notre parti. Je ne sais pas à qui je parle, mais que cette parole active des bonnes personnes autour de toi. Écoute-moi bien, l'onction va activer les bienfaiteurs de la destinée, les hommes qui vont croire en toi. L'onction va aussi exposer des hommes mauvais qui ne vont pas croire en toi. Parce qu'il y a eu d'un côté ceux qui l'ont suivi, mais d'autres qui se sont moqués de lui. Qu'est-ce que tu as de bon, toi? Qui s'en va là-bas. Tu n'as rien. D'ailleurs, tu n'es rien. Tu ne feras rien. Ah, Saoul, tu as pas sentiment. Ah, c'est un homme sentimental. D'ailleurs, écoute, comment que royauté où tu as Benjamin? On s'en fout de lui. Lisez bien le chapitre 10 et le chapitre 11. Parce que quand il a reçu la victoire, les gens du peuple, qui avait dit que Saoul ne sera pas roi? Nous devons faire l'erreur dans 6 mois. Regretter. Que Dieu commence avec lui.
Écoute-moi, jeune fille, le bas maintenant, ah, je te dis, amen. Ce qui, moi, dans mon bal, les alignes, et puis à boire. C'est un garçon, t'avais traité. Comme un bout de la tête. Parce que, yon, tu perdre, et t'es yen à perdre. Parce que c'est pas toi qui lui as perdu, mais c'est. Quand nous, on peut se ramener à bien, t'es dans ton corps. Tu m'as donné un faible amen. Yo, osa, moi, dans mon sac, toi, tu es la fille. Tu as une chose étrange sur toi. Qui va faire le bonheur de tout homme qui viendra. Oui, au sale, la porte. Oh, ça qui m'a la vie, n'a la vie, n'a pas la vie. C'est lui qui m'a perdu, c'est pas moi qui l'ai perdu. Alors, c'est celui qui perd qui pleure, c'est pas celui qui gagne. Est-ce que tu m'entends? Bon, yo na bi oui, na kei. Non, pas polombata. Que je t'entends encore pleurer. Parce que pourquoi? C'est quoi qui m'a ramené pour égoter? Ce qu'a kei, c'est que yenem ta saineni. A perdu. Tu t'as perdu. Ok, nga. Tu m'as saisi. Hein? Tu m'as saisi. Yem sans voisin, c'est voisin. Dis ça ta voisine. Ce qu'a kei. Si ça va. Yem t'a perdu. C'est lui qui t'a perdu. Yoté. C'est pas toi. Yaya, il faut que tu sois fier tel que tu es là. Comment ils ont monné Mozawana? Au dernier, la mission de Moninga, n'a pas sa vie. Tu dis, moi, j'arrangerai ta vie. Hein? Oui, c'est Moninga. Tu vois les pénamis, tu m'as vendu, tu n'as pas sa vie. Tes yeux là. Je mets. Oh, oh, bien à combien? Elle est comme ma comète, elle est comme ma foot. C'est pas question de combien je pense. Ah, elle est comme ma foot. Elle est comme ma foot. Elle est comme ma foot. Ma foot en zambé na moutou na yo. Et comme on dit sa mobali na yo. Et comme on dit sa famille mobali na yo. Ah, l'oba mène à bien au caillou. Dans la vie des gens qui ne vont pas croire en toi. Mais ne te laisse jamais décourager par ceux qui ne croiront pas en toi. Ne te laisse pas décourager par ceux qui refusent de t'accompagner. Moi, votre père, Nami Souma Vondo, c'est-à-dire mon tout dur, tête dure, avec ou sans, j'avance. Tu veux être avec moi, on avance. Tu ne veux pas être avec moi, Okoyi Batigio, qui dit, mais je ne reste pas. Ça me mouta l'ombre, oh l'ombre, l'ombre. Ce que l'ombre, yon ne mouta perdre, n'a qui? C'est toi qui as perdu, c'est pas moi qui as perdu. Pourquoi? Je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Je sais que ce n'est qu'une question de temps. Toute personne qui est attachée à cette onction, il écrira l'histoire. Je dis, il écrira l'histoire. Je dis, toute personne qui est attachée à cette onction, Dieu m'avait dit, tu ne courras pas derrière des grands de ce monde. Parce que je t'ai donné une onction qui va créer des grands. Quand je te regarde, je te vois grand. Je vois une femme qui fera des grandes choses. Je vois un homme qui fera. Est-ce que je sais que cette onction ici, elle va produire des grands résultats dans ta vie. Je suis conscient de cela. Yé mi sa voisin, voisin. Tous en un système, ya. Okoyi Batigio. C'est pas la chasse. Aujourd'hui, les gens d'internet, ils sont gâtés. Hein. Ils plairent à chaque fois quand je parle en français, ils n'ont pas d'interprète. Bien. Acclamez pour lui quand même, il est. On a vu Okoyi Batigio qui dit Bayabi qui part à la chasse, perd sa place. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des Sambala et des Tobija dans la vie. Des gens qui, écoute-moi, tout le monde n'est pas appelé à croire en toi. Tout le monde n'est pas appelé à marcher côte à côte avec toi. Ce qui Jida a Zalaka, Tembeleye soit confiné et coulou sous terre. S'il n'avait pas eu un Jida, je n'avais pas. Mais les Yeux soient coquits 50 ans, chacun va miracle. Alors que Yeux lui font Koufa. Mais pour Koufa, il ne faut pas t'écailler. Cet argent au temple, c'est le prix de l'achat de Dieu.
Il fallait que Jésus soit vendu. Donc, dans la vie et même dans la destinée, même tes ennemis sont importants. Même tes ennemis sont utiles. D'ailleurs, lorsque ta destinée veut s'activer, tu as beaucoup plus besoin de tes ennemis que de tes amis. Parce que ton ami t'aime tellement qu'il aura de la retenue pour te faire du mal. Mais ton ennemi, il te hait tellement que lorsqu'il doit faire une chose, il va le faire contre toi vite. Et bien, c'est comme ça que Jésus regarde son ami Pierre. Il lui dit, arrière de moi Satan. Il regarde son ennemi Judas. Il dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien et fais-le vite. Pourquoi? Parce que plus vite Judas allait vendre Jésus, plus vite on allait arrêter Jésus, plus vite on allait juger Jésus, plus vite on allait le crucifier, plus vite il allait mourir, plus vite il allait être enterré, plus vite il allait ressusciter, plus vite il allait monter sous la gloire. Cet ami qui ne veut pas être ton ennemi, il regarde l'activation de ton onction. Il y a un moment où nous avons continué à Bambouna et Belé. Oui. Il faut pas avoir peur d'eux. Dieu a dit à Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le diamant. C'est-à-dire, l'onction que tu reçois ici, elle va amener beaucoup d'ennemis. Elle va amener beaucoup d'adversité. Je ne veux pas que tu sois dans la défensive. Non. Il faut que tu commences à chercher Basawapi. Où est ces problèmes? Ils sont où? Parce que Moutoubo Lukaka, il y a onction. Ton onction, il cherche. Écoute-moi. Toi, tu es petit, mais ton onction est grande. Écoute-moi. Ton problème, le problème qui t'attaque, n'attaque pas ton corps, n'attaque pas ton visage. C'est pourquoi tu as l'impression que les problèmes ont une grande taille. La grandeur du problème, la longueur de la taille du problème révèle en réalité la grandeur de l'onction que tu as. Parce que le problème, c'est l'onction. Il y a mon David Moukier, c'est ma Moni Goliath. L'onction en lui, c'est qu'est-ce qui va se passer pour celui qui va faire tomber cet homme? Tout le monde avait peur, mais l'onction à lui avait envie d'affronter. J'essaie de dire à quelqu'un que l'onction de ta destinée va s'activer devant l'adversité, devant les problèmes, devant les situations. Lorsque c'est les problèmes sont là comme ça. Lorsqu'on devait quitter Kasafoubou, je me souviens avoir dit à mon fils, il dit, ah, daddy, vraiment, parce que Batouba Rolanda, mais c'est mon fils, si Dieu est avec moi, allons-y. Oh, au Tikala, il y a un problème. Bissot, ok. Ce qui nous a mis en anglais, dans ton récit, si Dieu est avec moi, je construis ça. Quand je regarde ça comme ça, je me dis, nous a mis en anglais. Je me dis, Dieu est avec moi. Quand je te regarde, je me dis, nous a mis en anglais. Ah, il fallait un nouveau défi. Dans la vie, c'est comme cela. Il faut des nouveaux challenges pour activer quelque chose en toi. La vie passée, j'ai tellement bossé. Au point que j'ai déprimé, la dépression est dans mon tour. Tellement travaillé, bossé. Tu sors à gauche, à droite, tu avances, tu travailles, tu pries, tu jeûnes. Parce que l'onction qui est à l'intérieur s'active devant les défis. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus jamais peur des défis. N'aie plus jamais peur des combats. N'aie plus jamais peur de l'adversité. Si tu vas dans une entreprise, tu déposes le, comment on appelle ça, le CV. Curriculum vitae. Tu déposes le CV. Et puis on ne te rappelle pas. Et puis on ne t'engage pas. Rentre dans l'entreprise. Et dis-leur, vous venez de rater.
C'est lui qui allait vous faire entrer dans la bourse. Hey. Si on refuse de te donner le contrat, ce qui va pécher, ce n'est pas parce que tu es incompétent, non. C'est parce que l'entreprise n'a pas vu un employé. L'entreprise a vu un concurrent. C'est-à-dire quoi? Ce qui va boyer le poste wana, la carte entreprise va boyer quoi engager. Ils ont boyer, aux gens en option, il faut et ça la entreprise. Tu as boyer au bas de quoi engager pas. Il y a pourtant aucun entreprise au lieu mon amour sali, entreprise à moni mon conzi. Il y a un bas moi tu engager. C'est comme ça que c'est mis, on ne peut pas l'engager. Donc arrête de pleurer les opportunités. Ce qui est raté au talio bien pour rater. Vous venez de rater quelque chose. Et quand tu déposes une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Dis-toi alors, tu sais que je dois créer mon entreprise moi-même. Crée! Commence! Et tu verras que la chute à l'intérieur. Et maintenant, punja. À s'agiter à l'intérieur. Plus tu es agité. Tu es agité. Tu es agité par des problèmes, par des soucis, par des difficultés. Tu vas avancer. On va se retrouver. Tu es en train de soulever des grands poids. Parce que l'onction qui est à l'intérieur de toi a la capacité de faire des exploits. Saoul n'allait jamais se révéler comme roi. Si ce combat n'était pas venu devant lui, il a fallu ce combat. Il y a des combats qui sont nécessaires. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici, nous sommes en direct. Il y a des choses qui me sont arrivées. Ou quand tu te portes, tu regardes les personnes qui pouvaient être censées te soutenir. Et ils vont aller soutenir les autres personnes. Et tu te retrouves que tu es seul. Seul. Ah, seul. Au talibo, Rubi, j'ai Dieu avec moi. Et puisque j'ai Dieu, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Juste Dieu. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Papa, j'avance. Papa, j'avance. Papa. Et tu te retrouves, tu es en train d'avancer. Et tu te rends compte que si ces gens-là t'avaient, tu n'allais pas arriver là où tu es. Parce que tu n'allais pas bosser dur. Tu allais avoir juste à besoin d'un bango. Et le moment, bosse sur la Nous y avons un miracle dans la carte. Pasteur, pour ma bonne tinta qui est dans l'église, ma pessie est bon à baba, bon à loyer, bon à bofan, bon à aucun la carte à confort. Miracle, c'est Manel. Hier, sous ton tinta, va d'ici, la vie d'abord, recevez l'esprit. C'est quand tu te retrouves dans une situation, trésor, on se retrouve à la boye, la carte à mort à mort, on s'en va à yon à yon. Les morts vont ressusciter, les paralytiques vont marcher, il y aura des miracles parce qu'il n'y aura pas autre chose sinon que Dieu. Comme là, au Daline à gauche, au Daline à droite. J'ai aimé lorsque le frère Morgan témoignait ici le dimanche où ils sont venus avec son épouse. Avec son épouse, quoi. Ah, Jésus. Il a dit il y avait des amis qui lui avaient promis. Que mon cher, il y a un exemple pour vous. Pour nous, là, c'est bon. Frère du côté vestimentaire, c'est bon. J'ai aimé, il a dit un d'entre eux, il lui a envoyé un montant. Et puis, moi, c'est déconnecté pendant 3 jours. Et du coup, c'est déconnecté l'internet. Si
c'est lorsque tu te retrouves là comme ça. Attends, on lui coupe ce Congo. On va activer condiment à niveau mort. Parce qu'il n'y aura plus de choix que de chercher quelque chose. Si tu te retrouves devant une situation impossible, ce que tu es sur le point de découvrir une onction qui relève l'impossible. Quand tu te retrouves devant une situation impossible, ce que tu es sur le point de découvrir le Dieu qui efface l'impossibilité. Je suis en train de prier que l'onction vienne sur toi. Que l'onction vienne sur toi. Que l'onction des affaires vienne sur toi. Quand l'onction des affaires vient sur toi, tu vas te retrouver. Pas de travail, pas d'argent. Sécheresse à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant que l'huile qui a touché ta tête aille jusque dans ton cerveau. Que tu commences à regarder. Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux faire? Et l'onction va te donner les idées. Va faire le bilanga. Va faire une porcherie. Commence à gauche et à droite. Fais telle chose. Va vendre les biscuits. Et tu commences petit. Une, deux. Une année, deux ans, trois ans. On se retrouve, tu as des supermarchés. On se retrouve comme ça, tu as des grandes choses. C'était la même onction, mais qui a été activée par les défis. Je vais prier pour toi le jeudi prochain. Aujourd'hui, je veux maintenant que tu pries. Pour ça, prière, mon gars, va problème. On fera une prière. Prière, mon gars, va défi. La prière de problème, ça nous a benzamé. Je dirai à Dieu. Tina, ma problème, oh, et voyez, on l'a moussé. L'eau, tchaka, c'est là. On voit les problèmes qui vont réveiller la vie qui est à moi. Ton message, ça nous a problème, mais si la tête. Si tu as reçu l'ancien, oh, c'est un problème. Tu vas maintenant demander. Ça, mais wapi, ours. Seigneur, où est wapi, lion. Où est le lion? Lion, il pèse 500 kilos. Lion, à 500 kilos. L'ours, il peut peser jusqu'à 1 tonne, jusqu'à 5 tonnes. Et l'homme, tu fais à ceux qui 80 kilos sur 100 kilos. Il pèse à peu près 4 tonnes. Tu vas te battre avec un animal d'un tonne, 1000 kilos. 1000 fois plus grand que toi. Mon nez est collégayo. Si tu vois un animal de 1000 kilos attaquer un homme de 90 kilos, ça veut dire que l'onction que cet homme a pèse plus de 1000 kilos, a la capacité d'écraser. J'ai frappé l'ours. Comment tu vas frapper l'ours? Comment tu peux frapper l'ours? Comment tu peux déchirer le lion? L'onction. Et par quoi? Ne fouille pas les problèmes. Ne fouille pas les problèmes. Ce soir. Pourquoi les lions? Seigneur, on est prêt. Envoie. Les gens des problèmes là qui vont activer la chose qui est en nous. Les gens des situations, les gens des défis qui vont challenger l'onction que tu as mis sur ma tête. Je n'ai plus peur. Si tu verras tout, enlève la peur. Les grands pluriels. Pas peur. Ta ligne est sautée. Personne n'est ton Dieu ici sur terre. Il n'y a que ton Dieu qui est au ciel. Nous allons nous amener dans sa moquille à sa tête. Son est Dieu pour Banga et l'autre côté. N'aie plus peur. Bateau Yoso Lula, on a bientôt va dans Lula Yo. Si bientôt, comment on peut signer? On a bientôt. Bateau Yoso Banga, on a bientôt va commander pour Banga Yo. Sauter, comment ça va peur de toi? Le pasteur Klaes qui est venu ici quand je l'ai reçu à la maison, il mangeait à table. Et moi je ne mangeais même pas parce que j'étais un jeune. Il mangeait, je l'ai pris en vidéo. Et par la vie, tu vois, maintenant, on a Jimmy Mbayaro. Aujourd'hui, nous sommes restés à la maison. La salle d'à manger. Et papa Jimmy, non? Je suis en train de manger. Il loco, tu vas dire au Lenga dans le passé. Ces histoires-là, tu comme au Lenga, ils sont au Lelo. La fois passée. Yaya. C'est lui qui forme la transition. Lelo, vu notre monsieur, il a tiré la tête. Aujourd'hui, là, ta vie peut-être. Serre, mon roi, il m'a tiré la tête. Il y a une sorte de chance. N'ayez peur de rien. Amen. Une bonne chose qui frappe la chose et puis tu as parlé. Comment tu es? Tu dis toi? Non, somba. Je veux te payer. Amen.
J'ai pris la décision là hier. Comptez les jours avec moi. Avance papa. Avance papa. J'ai dit, attends le bien mente. Même si tu n'as pas décidé. Comme j'ai décidé. J'ai déjà décidé. Il y a une onction qui est en toi. Elle n'est pas quoi, mais elle ne se libère pas. Parce que tu n'es pas en face de défis. Le jour où on m'a amené un enfant mort, si je n'avais pas accepté de prier pour l'enfant, j'allais rater l'opportunité d'avoir l'histoire d'une résurrection. Si quoi, il est comme un coma. Nini, ça va. La mouka. Allez, à la toi. Mais la première fois, Yaya, au qui pose au dîner de ma belle. Pour ça, on saute mire. Au qui maintenant que l'onction tu es qui. Au sentir maintenant que pose ça, on est toilette. Au qui va pose ça, on est dans un malo là. Oh, Nini, boy. Pour l'être, ça la crise, ça la crise, t'es acquis. Bon, ma koufa, you want to be koufa, koufa, boy, nini. Oh, koufa, mon nini, koufa, n'a pas de. Tu affrontes les problèmes. Tu affrontes. Tu affrontes. Et l'eau a bien la sépénam ta koufa. A toi bambi na mabé, ça koufi déjà. La bonne situation avec toi. Ça koufi déjà. Ça tient. Il est déjà mort. Mouka la situation mort à la mouka. Toi, bats-toi, c'est ma koufa. Mouka la kaba problème. N'aie pas peur de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te parle comme un prophète. Comme quelqu'un qui croit en ce que Dieu a mis en toi. N'aie pas peur des problèmes. Si un cabinet refuse de t'engager, tu vas créer ton propre cabinet. Au créer un moyomoro. Tu vas créer un cabinet de consultance en architecture. Au créer un open pain. Au Québec, au déposer, banane va marcher. Au Québec, on reçoit marcher. Au supermarché, ben bandipé. Tu commences à marcher, tu commences à travailler. Alléluia. Lève-toi, va. Télémat, lève-toi, va. Télémat, au bon moment.